Bonjour à tous. Les clichés ont fait le buzz dans le monde virtuel. Cette 94e édition des Oscars a en effet été marquée par une geste déplacée de Will Smith envers le comédien Chris Rock. Celui-ci a fait une mauvaise blague sur le crâne rasé de Jada Pinkett, l'épouse de l'artiste touchée par une maladie rare qui s'appelle alopécie. L'actrice avait caché son difficile combat contre cette maladie, qui frappe plus de 90 Français par année, première responsable d'une grande perte de cheveux et de manque d'énergie. Ce 31 mars, les organisateurs de cette soirée ont fait une nouvelle révélation au sujet de la superstar hollywoodienne. Ces dernières lui ont demandé de quitter la cérémonie de remise des prix, ce que le héros de Hancock a refusé. Nous reconnaissons également que nous aurions pu gérer la situation différemment, peut-on lire dans le communiqué. Pour défendre Becky Young, sa femme, le papa de trois enfants a en effet provoqué des réactions très vives dans le monde entier. « Laisse le nom de ma femme hors de ta putain de bouche », avait-il hurlé face aux célébrités médusées présentes dans le Dolby Theatre à Los Angeles. Quelques heures après cet incident, Will Smith a reçu la statuette du meilleur acteur, malgré ses excuses sans réserve envers l'humoriste star. Will Smith fut d'ailleurs l'objet de mesures disciplinaires en raison de violations du règlement de la cérémonie. Cela inclut les contacts physiques inappropriés ou des conduites abusives ou dangereuses. De son côté, Jada Pinkett Smith est sortie du silence sur Instagram. L'épouse de Will Smith a tenu à apaiser les tensions avec un message laconique. « C'est une saison pour la guérison et je suis là pour ça », a-t-elle simplement écrit, sans mentionner l'incident dans un post aux commentaires restreint. C'est la fin de ce rendez-vous. N'oubliez pas de réagir sur la section de commentaires et d'activer la cloche de notification. Merci et à très bientôt.